your back. I'm a motherfucking menace. Watch your back now. See me. Yeah, cause I'm a motherfucking menace. Yeah, I'm a motherfucking menace. Yeah.
see fire I'm burning up inside. Touch the flame, don't turn away. I need to know it's you. I'm on the outside looking in, and this world around me is getting colder. I don't know where we can begin, but our body's getting closer now. Give me one chance, let me feel your touch. Touch from within. Give me one chance, let me feel your touch. Touch from within. In your eyes I can see fire, I'm burning up inside. Touch the flame, don't turn away. I need to know it's you. In your eyes I can see fire, I'm burning up inside. Touch the flame, don't turn away. I need to know it's you. I'm on the outside looking in, and this world around me is getting colder. Where we can begin, but our body's getting closer now. Give me one chance, let me feel your touch. Touch from within. Give me one chance, let me feel your touch. Touch from within. Can see fire, I'm burning up inside. Touch the flame, don't turn away. I need to know it's you. In your eyes I can see fire, I'm burning up inside. Touch the flame, don't turn away. I need to know it's you. Et rebonsoir, rebonsoir, alors que j'ai oublié de baisser la musique. J'espère que vous allez bien. Voilà, j'espère que vous avez pu manger tranquillou, tranquillou, bilou. Donc on va se retrouver pour tout simplement la petite finale. La finale loser bracket qui permettra à l'un des deux opposants d'accéder à la grande finale. Éventuellement, waouh, la reprise est dure, de rejoindre la team No Name. Team No Name qui a pour le moment fait un parcours sans faute en s'imposant face au Yota, Team Lightning et TMX. Donc éventuellement, si TMX s'impose, on pourrait avoir un match retour. En parlant de match retour, c'est celui que nous allons avoir. Donc LFORG et RENCCG, RENKAIZU. Donc je vous parlais d'un match retour. Donc LFORG contre Team X, c'était tout à l'heure, en début d'après-midi, le deuxième match qui s'est joué sur Coastline. Team X s'est imposé 7-3. Nous avions en première attaque, nous avions les LFORG. Donc on va voir s'ils vont choisir la même chose. Un petit coup d'œil tout de même sur le ban des cartes, s'il a été fait ou pas. Et ça a déjà commencé pour LFORG qui ont choisi de ban Consular. On va voir, on va continuer à le garder sous les yeux. On va revenir sur la creepy face.
Et je vais garder un œil dessus, voir un petit peu ce qui se passe côté Team X. Pour le moment, il y a... Voilà. Pas d'autres bans. Est-ce que je peux modifier vite fait pour incorporer les logos? Elforg... Ok, ça pose pas de soucis. Ouais, c'est peut-être un peu redondant là-dessus. C'est pas grave. C'est pas grave. Alors, on est en train de gérer ça en même temps. Tac, tac. Pourquoi qu'il veut pas me le prendre? Ok, c'est bon, start ban. Normalement, ça devrait être bon. Et paf! La magie de la transition. Donc, nous avons côté Team X, Café Dostoïevski et Rushinget. Donc, Café Dostoïevski de ban pour la Team X. Côté LFORG, nous avons du coup Oregon. Oregon de ban. Ensuite, Sylvie-là, ça m'a l'air d'être à peu près similaire à ce que nous avions tout à l'heure. Il reste Theme Park et Clubhouse éventuellement pour retourner sur la même chose que tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Je vais en profiter en attendant pour... pour inviter les joueurs dans le lobby. On va essayer de gagner du temps. Bon, après, voilà, qu'ils prennent le leur hein, pour le ban. On me le dit, là, il est 20h. Qu'est-ce qui se passe? Ok, bon. Theme Park de Banny, est-ce que l'on aura une Clubhouse? Une Clubhouse au Coastline, la réponse dans quelques instants. Si c'est Clubhouse, en termes de ban, je coule Maverick, Thatcher, je coule une Mira, ça c'est de l'info sûre, et un Kaïd en termes de ban. Voilà, vous l'avez déjà. Mon ban, si c'est Clubhouse... Alors, Team X. Ah, je n'ai pas l'audio, donc désolé, je ne vous ai pas entendu. Bon, j'espère que vous avez bien mangé en attendant. Je vous le rappelle qu'il s'agit de la finale lower bracket. Le vainqueur ira rejoindre du coup la team No Name en finale et éventuellement départager le vainqueur de cette quatrième édition de la Dual Squad. Nous avons tous les joueurs côté Team X et il nous manque un ban. À moins que mon machin ait planté. Carte map ban. Hop, propriété. Rafraîchir. Voilà, ça c'est fait. Ce sera à nouveau Coastline, le match retour. Entre LFO et Team X. Plus qu'à voir maintenant qui va décider d'attaquer ou de défendre. Donc pour le match précédent, bon, pour le deuxième de cet après-midi, donc nous avions, comme vous le disiez, LFORG qui était en première attaque. Avec premier bomb site Shisha et Cuisine qui a été remporté par Team X après l'imposition des LFORG qui se sont fait sur le barbe le Shisha. Victoire ensuite de Team X sur Shisha Cuisine. À nouveau Shisha. 8e round remporté à nouveau en chicha billard par les LFORG. Et après, c'était que du Team X sur la cuisine et la chambre. Donc ça sent très très fort le match retour. Je
je vous le rappelle qu'il reste 2 matchs. En attendant, est-ce que je peux voir si à tout hasard il y a un logo pour les no-name ? Me semble pas. Je vais essayer de leur faire quelque chose de rapide aussi. Bon, par contre, la musique, ne me jugez pas, hein, si vous plaît, Spotify. Hein. Et c'est pour éviter de se faire strike. Et ça, il nous a donc LFORG en attaque. Pronostic aucun. Et vous, le chat, n'hésitez pas. N'hésitez pas sur le chat. Hop, je vous mets le sondage. Tac. À 5 pour la team X que nous répond Aaron. 7 à 5, ça risque d'être en effet très intéressant. Je vous le rappelle, le score précédent c'était 7 à 3 pour team X. Bon, il y a eu une pause assez conséquente déjà sur le flux, mais avec surtout la pause pour les joueurs de manger. Alors que NCCG nous dit 7 à 4. Nala! Nala qui est présent. Hop, je vais pouvoir fermer ça. Et on va remettre l'audio du jeu. Ready pour LFO. Non, il y a aussi. Aussi. Allez, bon courage à tous, bon match. Bon courage. Allez, good luck. Et c'est parti, alors que l'on a entendu bien évidemment la bienveillance dans le jeu, surtout le fair play entre les deux équipes, je vais rebaisser un peu la musique, le temps du ban des opérateurs. Est-ce que l'on aura la même chose? La même chose que tout à l'heure en termes de ban, si je dis pas de bêtises, nous avions Montagne, oh non, Capitao, nous avions Mira de Banni. Et le dernier, je ne sais pas si c'était Echo, mais en tout cas, on repart une nouvelle fois sur le montagne. Ma mémoire me fait vraiment des tours. Hop, montagne de choisi en premier. En vrai, la musique, elle passe comme ça. Ok, ça marche, mais bon, je ne vais pas la mettre, en casse. Rakal de Banni. Rakal qu'on a vu beaucoup ban. Hein. On a vu beaucoup ban sur ces compétitions. On l'a vu aussi beaucoup utilisé. En même temps, c'est normal. Hein. Il a beau avoir été retravaillé, il fait toujours aussi peur. Il empêche un roaming de manière vraiment intempestive. Malgré que le travail de son Inox est vraiment intéressant. Dans le sens où plus t'es proche, plus t'es pingé. Et plus t'es loin, moins tu l'es. Logique. Assez intéressant comme mécanique Rakal, mais qui se trouve toujours aussi embêtant. Valkyrie. Valk qui a été banni. Donc ça ressemble à une littorale qu'on avait vue, hein, précédemment. Et nous sommes partis du coup pour cette petite finale qui oppose les LFORG au Team X. Première phase de sélection des opérateurs, nous avons côté Team X, nous avons Smoke, Lésion, Mozi, Jaeger et Kuma qui va prendre Kaïd de l'autre côté pour la première attaque des LFORG. Nous avons Sledge, IQ, Nomad, Ibana et Zofia. Zofia qui s'est montrée vraiment impactante tout au long de ses matchs avec ses lifelines, que ce soit concussion ou explosif, qui vraiment permet déjà de zoner avec ses concussions et surtout de remplacer un éventuel buck, jouer sur la verticalité négative, donc se faire jouer par en dessous ou même par au-dessus. Donc vraiment, vraiment, c'est cette opératrice du Grand qui se montre plus que décisive. On est parti sur un premier bon qui sera Shisha, Ibiar, Uka, si vous préférez. Ou Narguilé.
Et on a Phage avec son smoke qui a préparé les rotations, le smoke hein, que j'appelle le petit maçon du cœur avec son fusil à pompe qui s'occupe de vraiment faire toutes les rotations à défaut d'avoir d'impact. Et en parlant d'impact, est-ce qu'on a un joueur qui en a? Oui, c'est Xander avec son lésion. On a que ça, bouclier, on a deux C4, deux barbelés. Pour l'attaque, on a deux grenades pour une Zio-Meister. Claymore, trois charges, trois flashs et une deuxième Claymore avec Nala. Et en parlant justement de Nala, focus sur son insertion avec sa Zofia. Et on met une Claymore en sécurité au niveau de cette Salida. Première pression au niveau du balcon Chicha. Pour le moment, une autre pression est mise de la part de Volka. Et on va avoir du monde au niveau de cette master bedroom, surtout au niveau du cinéma et du VIP. On retrouve Nemesis et Xander alors que la première grenade vient de détonner. C'est Uzio Master, justement, avec son sledge. Et c'est le porto, qui va en faire les frais. Et bonsoir à toutes les personnes qui viennent de rejoindre. Pour le moment, prise d'information de la part de Widow. On s'assure que le VIP et le lounge soient clairs. Et on va trouver justement Nemesis. Et en parlant de trouver, c'est Nathans qui va se débarrasser de Phage. Alors que de l'autre côté, double frag de la part du joueur nomade. C'est Kuma qui va tomber sous ses balles avec un headshot. Il nous reste déjà deux joueurs. 1 minute 45. Et attention à la prise de ligne. La bonne tête va être prise de Nala depuis Nemesis. De l'autre côté, le revenge kill va être pris instantané de la part de Volka. Et il ne reste plus que Xander proche du mid HP. On a un duel qui va être remporté. Mais malheureusement, on vient le jouer à deux. C'est Volka qui va venir à la rescousse depuis le cinéma. Alors qu'on avait la IQ aussi venu. Donc on est vraiment venu le jouer à 3 pour sécuriser ce premier round. Et en parlant de sécurisation, du coup, ce sont les LFO qui marquent, eux, leur premier point et qui commencent à prendre l'avantage. Bon, petite cuisine pour ce deuxième BP. On a la sortie du Doc, du Maestro et du Jaeger. On retrouve Jaeger. Smoke, je n'ai pas fait. Il me semble qu'il était présent hein, tout à l'heure. Guarda a gagné. Malheureusement, non. Ce sont les LFO qui se sont imposés. Au terme d'un match très difficile. 8 à 7, si je ne dis pas de bêtises. Donc, point d'exclamation bracket, hein, si vous voulez avoir toutes les informations. Ouais, merci, Kaizo. Loading new mag. La petite vilain drone, Nala, tranquillement, qui va prendre l'information. On va se faire détruire. Ah oui, le drone est plus que spoté. Ah, c'est intéressant de voir un petit peu où est-ce que se cachent tous ces petits drones pour la prise d'information. Et bonne petite impact que j'aime particulièrement pour prendre directement la vue sur le drop dans la salle de bain. Et on a la sortie du Maestro. Du coup pour Porto. Porto qui me donne vraiment faim décidément. Tout à l'heure il me donnait soif mais... Allez, en parlant d'avoir faim là, on se dirige vers cette entrée de service pour aller directement en cuisine. Volka qui a la ligne, on va envoyer des flashs. C'est dommage de pas d'avoir préféré conserver la ligne plutôt que de perdre un œil. De l'autre côté, on s'insère sur le balcon de DJ. On a une information sur la position de Xander, hein, toujours autant volatile sur ses prises de position. Le bon Evil Eye qui lui aussi prend l'information. Widow pour prendre le premier frag sur Nemesis. On s'est inséré dans ce Hall of Fame. On était sous l'effet d'une Gloomhine. On a encore des joueurs qui se trouvent sur le bon site, mais surtout en roaming. Et Volka, la bonne insertion pour sanctionner Phage. Laibana qui va faire un frag et qui va de suite repartir. De l'autre côté, on cherche la petite ligne dans la goulotte des toilettes. Insertion vers le main. Attention tout de même à la réception. Nothens avec le pistolet qui va devoir se rapatrier de suite alors que Uno Meister lui...
Ziomeister, pardon, va se débarrasser de Kuma. Attention à le Porto qui montre sa présence sur le bon site en faisant le revenge kill instantané. Ah, on prend quelques balles. Quelques balles sur cette traversée au niveau de la cuisine. Et le Porto qui va tomber face aux balles de Volka. Le bon jeu en team-up. Il nous reste un joueur. Il nous reste un joueur. C'est Xander qui se trouve à l'extérieur du bon site. La rotation va être faite par le bleu. On n'a pas d'autre choix car la CCTV commence à être investie. De l'autre côté, Nala qui pose le diffuseur. Quelques tirs en pré-fire de travers le patio. Et c'est une situation de clutch et de retake. 1 contre 4. L'opération s'avère compliquée. D'autant plus que Volka a l'air de se rapatrier. Et c'est notre ends. Et le frag est pris. Deuxième round remporté par les LFORG, par Nala. Tout à l'heure, c'était la Team X qui avait pris l'avantage. Mais là, cette fois-ci, les LFORG s'imposent deux rounds de suite. Alors que vous êtes 86% à voter pour une victoire des Team X. Pour 6 votes, et LFORG 14% avec un seul vote. Vous n'avez pas été nombreux à voter, seulement 7 participants. Et bonsoir à toutes les personnes qui sont arrivées. Ça va vite ou mes yeux fatiguent? Non, non, ça va très très vite, que ça soit les insertions ou même la réponse de la défense se fait vraiment, au tac, si je puis dire. On a une réponse du berger à la bergère très très rapide, dans le sens où les attaques sont assez saillantes. On y va, on ne bégaye pas, et la défense aussi répond de la plus belle des manières, avec des frags qui partent vraiment très rapidement, même si c'était à 1 contre 4. Et Pulco Fraise, tu viens de rejoindre le chat, j'adore ton pseudo. Je sais pas vous, mais les voix en anglais, je n'aime pas ça du tout. Allez, préparation des bombes sites comme on peut le voir. On renforce tous les panels du canapé A qui expose au patio pour éviter de se prendre une bridge charge ou alors un X-Kairos pour casser la ligne plus facilement. On n'a pas de mute, on n'a pas de batterie électrifiée, donc c'est tout de même possible pour l'attaque. De l'autre côté, on prépare la même réception au niveau de la douche. Pas de spawn kill, contrairement à tout à l'heure. Et la défense qui s'attend à l'insertion justement des LFORG. Xander qui a commencé à prendre quelques dégâts. On est pas loin du mid HP. Le POC a été assez important tout de même. Sécurisation du 90 dans la car. Nala aussi qui a subi un POC assez important. 75 HP. Donc on en a subi 25. On balance le drone en decoy éventuellement pour essayer de titiller un petit C4. On n'a pas fait attention à la rotation d'Alexander qui devrait pouvoir se faire spotter. Et on n'a pas vu Kuma. On n'a pas vu Kuma pour Nala. Est-ce qu'on a l'info de la position de ce Jaeger? Est-ce qu'on se doute de quelque chose? Apparemment non. Étant donné qu'on va venir drop au niveau de la trappe. On reste prudent, on préfère envoyer un autre drone. C'est l'opération à effectuer, d'autant plus qu'on a encore un jour au niveau du VIP. Non, pas du tout, c'est Phage, lui qui se trouve au contact de l'escalier bleu. Le drop va être fait de la part de Duzio Master. Le suivi de Widow. Attention à Xander, Xander, la bonne élimination sur Volka. De l'autre côté, Nala va se débarrasser de Kuma et Not End sur Nemesis. Il ne reste plus qu'un roamer alors qu'un frag a aussi été effectué sur le BP. Attention à Xander qui se retrouve sous les joues de l'attaque. On est de suite parti. Et au final, l'échappatoire n'aura pas conclu étant donné que Widow s'est débarrassé de ce dernier joueur récalcitrant. Il ne reste plus que deux défenseurs sur le BP. Phage qui va tomber face aux balles de 12 Master. Protection de l'insertion au niveau du blanc de la part d'El Porto qui... De Le Porto, pardon.
qui va prendre l'élimination, la plante qui est en train d'être effectuée de la part de Nathans, sécurisation de la longue comme on est en train de le voir pour les deux, on va même revenir au niveau du VIP, on s'extirpe un petit peu du BP, on va prendre les lignes de l'extérieur, le Porto en situation de clutch qui est sous le joug, mais malheureusement on n'aura pas le viseur assez bien aligné, c'est Widow qui va terminer ce round. Deuxième round, de suite, de remporter, les attaques passent très très bien pour les LFO. Apparemment, la pause a fait mal au Team X. On va voir s'ils seront capables de se remonter alors que face, nous sort un petit Tachanka. Est-ce qu'on va s'explique ? J'en doute, honnêtement. Je pense qu'on va plus rester sur du smoke. Cet opérateur est nettement plus utile. Alors que le Porto, lui, il se dirige sur un Jaeger. C'est lui qui va prendre le jeton du s'explique. N'hésitez pas en tout cas à poser vos questions ou à encourager votre équipe favorite dans le chat. Bien évidemment, ils sont là pour vous. Ils ont besoin de votre soutien, notamment pour les Team X. Pardon, excusez-moi. Oh non, non. C'est intolérable. Mes excuses. Petit chargement. Allô, le jeu ? To be fixing and repairing the game. I'll see. On a un crash. Et bien en soir, bah on part sur un Rios dans ce cas-là. Defenders, protect your bombs from being defused by attackers. Bah après du coup, ça marche. Ah vous voulez, allez. Pas de demande de Riost côté les Forg. Et les Forg qui vont jouer à 4. C'est fair play. On va voir s'ils s'en sortent ou si justement les Team X vont profiter de cette infériorité. Le problème c'est que ça a commencé, on peut pas Riost, pas grave la prochaine. C'est fair play, normalement les règles indiquent dans les anciennes règles ESL et dans les règles Faceit, ils indiquent qu'il y a jusqu'à il y a toute la phase de la préparation plus les 15 premières secondes, si je ne dis pas de bêtises, je suis pas sûr sur les 15 15 premières secondes de la phase d'action s'il n'y a pas eu de kill. Non, le ban battle eye, vous inquiétez pas, ça le note à chaque fois que la game bloque. Dû par exemple à un ping ou un crash, donc. Pas de conclusion à team. Allez, Widow qui va percer un petit peu tous ces petits trous. On n'a pas de. On est parti plus ou moins sur une turtle, hein. Xander qui se retrouve au niveau du bomb site. On a le Porto en embuscade sur l'escalier jaune. On attend la sortie du VIP pour Ekuma. De l'autre côté. Dexenz. Qui va lui poser ses air jabs à l'étage inférieur. Pour empêcher toute sortie au niveau de l'office. On a quand même subi quelques dégâts, hein. Ce n'est pas dû à des dégâts de chute, mais bien dégâts opérés par un défenseur. Et l'insertion rapide qui va sanctionner Xander, pas assez vigilant là-dessus. C'est Volka qui va pouvoir ouvrir le bal. 4 contre 4, l'équilibre numérique a été rétabli et on prend énormément d'informations avec ce drone. En attendant, on surveille le bac comme on a pu le voir. Et Nexens qui va se débarrasser de Nemesis.
Ça continue, on continue à perdre des joueurs, mais de l'autre côté aussi. Oh, le bon save de la part de NextEnd sur Phage. Il ne reste plus que deux joueurs. Le Porto qui va revenir par les valises, le couloir blanc. Et Kuma sur le bon site, un petit peu esselé avec cette prise de position. Volka qui est toujours en DBNO, comme on est en train de le voir. Et on va faire tomber le porteur du diffuseur. Attention à ce revirement de situation. Le Porto qui a fait un bon frag sur NextEnd. On a toujours un joueur en DBNO, c'est un 2 contre 2, à moins que Volka se fasse réanimer. Usurmeister va se débarrasser des Kuma, il ne reste plus que le Porto tout seul. Au niveau de ce couloir blanc, pris en tenaille sur son retour au niveau de l'aquarium. Pour le moment, on attend, on va pouvoir relever Volka, c'était à nouveau un 3 contre 1, situation de clutch, mais on a le diffuseur en contrôle, il reste 23 secondes. 23 secondes, on s'est fait avoir par le Gemini, le bon jeu en duo qu'on a pu voir, Widow, qui va sécuriser ce frag, et Shisha, du coup, remporté une nouvelle fois par, du coup, les Forg. Hop. On va revenir au menu, il faudrait qu'une seule équipe. Il faudrait par exemple que Widow reste dans la game. Hop. Et il a quitté. Bon bah tant pis, on va devoir refaire toutes les invitations. Il pourra pas join à cause du kick game battle. Oui oui, en effet Sasan, il va falloir refaire la game. Quel joli screen. Bah du coup, comme tout le monde est parti, on n'a pas les scores. Ils n'apparaissent pas non plus. Donc on est sur un 4-0, hein, pas sur un 4-1. Il va falloir que je refasse le rehost. Je vais demander quelques minutes aux joueurs avant que je puisse du coup les réinviter. Je vais faire le rehost avec vous, comme ça vous pourrez m'aider, même si on a 30 secondes de décalage, vous allez pouvoir m'aider à contrôler que tout est bon. Ban des opérateurs, donc nous avions Montagne et Rakal, suivi de Echo et Valkyrie. Voilà. L'équipe bleue en attaque. Pas de doléances particulières pour la première attaque en overtime. Hop, ici, nous avons Elephorg. Paf, nous avions Team X en défense. Il va falloir ajouter l'historique. Alors du coup, on a que une win de l'équipe bleue. Donc nous étions en Shisha. Donc Uka, Lange et Billard, c'est bon. Team équipe bleue, toujours pareil. C'était au niveau de la cuisine. Kitchen. Équipe bleue, ici nous avions à nouveau Shisha. Uka, Lange. Et une nouvelle fois la Shisha. Car la défense n'a pas réussi à remporter. On a l'air d'être bon. 4 rounds remportés par l'équipe bleue. Pas de bêtises jusqu'ici. On va pouvoir réinviter du coup les joueurs. Paf, Ekuma, c'est bon. Et c'est LFO. Usurmeister. Voilà, normalement, toutes les équipes ont été invitées. Alors que Bacha nous dit, dire qu'on a lose contre Team X first game, car j'ai eu 6 déconnexions. Oh là 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 là, c'est dommage ça. Ah bah ouais. C'est vraiment là où on se rend compte qu'on est vraiment très très mal loti. Hein. En termes de connexion en France ou même en Belgique. Je crois qu'en Belgique ça va un peu mieux. Hein. Pour moi, ta game a bugué. Vraiment. Message que je viens de recevoir de la part de Ekuma. Je vais essayer de le réinviter. Dis-moi si c'est bon. Bon, apparemment, ça a totalement bugué. Les deux équipes ne peuvent pas rejoindre. Donc, on va la recréer direct. Non, je lance une game au pif. c'est là où vous voyez un petit peu mes modes. Hein. Voilà, papy, big up à toi, poto. Créé en tant que spectateur. Je suis bien sur Europe West. Voice, team only. On est bon.
Et on est reparti, voilà, petit cours de Rehost entre nous. Pépèrement. Donc nous étions sur Coastline. Rappel, au niveau des BAM, nous avions Montagne et nous avions Rakal. Nous avions Echo et Valkyrie. Echo, Valkyrie, paf, la pastèque, c'est bon. LF, Org. Team X, Rang History. Donc, c'est là où il faut pas se tromper. Ou Calange, on est bon. Cuisine, on est bon. Team Bleu, toujours pareil. Chicha, donc Ouka, Bia, on est bon aussi. Et à nouveau Chicha, Team Bleu. Paf! Je compte sur votre vigilance. Hop, voilà, désolé, j'ai dû refaire le lobby. Pas de problème. Alors, on va attendre tous les joueurs. Dans tous les cas, nous avons les leaders de chaque équipe qui sont présents. Donc, les autres devraient rejoindre incessamment sous peu. Je revérifie encore une fois, hein, pour être sûr de ne pas me planter. En termes de ban, c'est bon. Echo, Valkyrie, Rakal, Montagne. Désolé les gars, j'ai eu un problème de co. Ouka, Kitchen. Ouka, Ouka. Que de la win bleue. On est bon. Heureusement que ça a crashé au quatrième round, parce que sinon, Mazette, sinon, c'est encore plus long. Et merci, Ahmed. Merci beaucoup, Ahmed, pour le sub. Merci, merci, merci beaucoup. La notification n'apparaît pas, car nous sommes en cast. Mais un gros merci pour le soutien qui, d'ailleurs, il me semble qu'avec Papy, vous êtes les deux seuls à sub. Et merci beaucoup. Ce n'est pas un appel, attention. Avec le fait de votre présence, que vous soyez 20, c'est un record pour la chaîne, donc merci beaucoup. Allez, nous avons tout le monde. Le match va pouvoir reprendre. J'attends le ready de la part des LFORG et des Team X. On reprend quand vous êtes prêts. Ouais, on est prêt. On est ready. On est prêt aussi. Et c'est parti du coup pour la poursuite du match. Merci. Je vous le rappelle, 4-0 en faveur des LFORG. J'espère que c'est bon. J'espère que c'est bon, honnêtement. Pas de problème dans le Rehost. Round 5, ok. Il n'y a pas de points, malheureusement, pour les oranges. Ok, c'est bon. Personne se plaint, on a l'air d'être bon, donc aucune composition n'avait été choisie, aucun bomb site étant donné que le Rehost a été call le round précédent. Donc en termes de composition, pour ce cinquième round, nous avons Buck, Zofia, Nomad, H, Capitao, Smoke, Lésion, Vigil, Duck et Jaeger pour un bomb site. Au niveau de la cuisine, on change de bomb site pour les Team X. Et je le rappelle, il y a un petit délai de 30 secondes. Ah, Sixpeak, IQ, à la place du Capitao, ça risque d'être intéressant. On n'a pas non plus de... Comment ça s'appelle? On n'a pas de pulse, éventuellement, mais surtout pour prendre l'information sur la position des Goomine, de Phage, qui d'ailleurs n'est plus incarné par Xander. On a laissé l'opérateur de disponible pour peut-être le jouer un petit peu plus sur site. Xander qui a fait très très mal, hein, jusque là avec son lésion. On va voir si ça va rester sur la même lancée avec le Vigile. En termes de composition, de setup, de défense, comme on peut le voir, une rotation derrière la bombe B, protégée avec un EDS et un bouclier. Deuxième demi au niveau de l'entrée de service. Pas mal de barbelés dans les toilettes, de manière à éviter les pics un peu trop agressifs. Et on prépare une jolie petite ligne de la part de Kuma, notre maçon du cœur, avec son smoke. De manière à prendre une vue pleine et entière. Attention à Xander, je vous en parlais.
l'agression au niveau de ce bureau. On a fait plus perdre du temps et éveiller la vigilance des LFORG. Et on s'est de suite rapatrié au niveau de l'escalier vert. Pour le moment, le plan de jeu des LFORG, comme on est en train de le voir, c'est prise du top, notamment avec... Avec Widow qui est pas très loin du balcon DJ, voilà, c'est chose faite. Nala qui devrait prendre le chicha, où on a l'air même de plutôt partir vers la Salida. Prise d'information avec le drone, et on a du monde, c'est Paige. Avec son lésion, attention, première Goumaï, premier caillou dans la chaussure, on va pas lente, mais on a vu la tête, elle va pas proc. Par contre, on perd énormément de dégâts pour Volka. Le duel, premier duel avorté, attention au repique, il ne faudrait pas être trop greedy. De l'autre côté, on a changé de position et on a surtout appelé Nemesis en secours. Et on va se raviser pour Volka. De l'autre côté, Natsenz qui vient de tomber face aux balles de Xander. Et on essaie de prendre le revenge kill avec Uziomeister, mais pour le moment, on est toujours au niveau de cet escalier bleu. On va être pris en tenaille, mais on s'y attend pas forcément côté Nala. Et pour Nemesis, il va lui prendre l'élimination sur Xander. Nala, justement, aura juste fait le kill que je viens de vous énumérer. Et on a perdu, du coup, un autre joueur, c'est Widow qui va tomber. De la pression qui est mise au niveau de la cuisine. Et on a un joueur dans l'escalier au niveau du bleu, c'est bien ça. C'est bien Volka. Volka qui pourrait peut-être surprendre. Et on a un drone qui est parti très très loin, qui n'est pas sur site. Il n'a pas été préparé celui-là. Sur Fesh, il n'a pas l'air d'avoir l'information sur la position de cette hache au niveau du bleu. Le porto en couverture éventuelle. Attention tout de même, parce que là, voilà, l'information est prise. Volka qui balance quelques travers. Ouh, on aurait pu saisir la montagne. On va au final utiliser une munition d'infiltration. On a quand même une personne sur le dessus pour venir assister depuis l'escalier bleu. Mais je pense que c'est plus un duel que l'on a avec Uziomeister. Rotation qui vient d'être call. Uziomeister qui va pouvoir reprendre le travail au niveau du top. Et on a toujours Volka. Volka qui s'insère au niveau du bleu. Le Buck qui va se débarrasser des Kuma juste avant que Nemesis fasse revenge kill. Nala aussi qui va prendre l'élimination sur Nemesis. Il reste 12 secondes. On a le diffuseur au niveau de la main. Volka, la bonne tête sur Fage. On est en train de procéder à la plante pour Nala. Attention, la bonne couverture qui va passer. Nala qui va justement prendre l'élimination au couteau. Sur le fil du rasoir, la plante n'était même pas terminée, c'est plutôt greedy, non, mais oser d'interrompre la plante, d'autant plus que le round aurait pu se terminer pour la défense. Constat difficile pour le moment, mais est-ce qu'on aura un side perfect de la part des LFORG? Alors que mon téléphone sonne à toute berzingue. Mais ça, après, vous n'avez peut-être pas forcément quelque chose à faire. On va se concentrer plutôt sur le match. Dernière défense pour la Team X. Et pour se faire Smoke, Lesion, Doc, Vigil et Jaeger, on garde la belle composition. Alors que Kaizo nous dit « belle manche des deux équipes ». Ouais, tout à fait. Tout à fait, c'est pas passé loin d'avoir la première victoire de première round de remporter pour la Team X. En tout cas, c'était bien négocié de la part des LFORG qui montre, force est de constater, une supériorité pour le moment sur ce side d'attaque. Après, même si c'est pas vraiment représentatif de ce que l'on voit, c'est vrai que Coastline est une map assez difficile à défendre, d'autant plus que si on a affaire à des équipes qui sont plutôt impactantes sur leur side d'attaque, ça devient très compliqué. Après, je vous ai parlé d'un match retour. Précédemment, ce sont Team X qui se sont imposés 7-3 sur Coastline. Oh, attention à la sortie et on risque d'être lu. C'est Nemesis qui va tenter. On a vu le chapeau, mais ça ne sera pas suffisant. Nala qui se montre. On subit énormément de dégâts et on va tomber face à Nemesis. Eh oui, on s'est souvenu. On s'est souvenu de cette sécurisation par derrière. Malheureusement, on n'aura pas été assez vigilant. On va essayer de terminer à la munition d'infiltration. Ça va passer comme on a pu le voir. On a vu deux joueurs
Team X venir, un pour venir relever son camarade et l'autre pour sécuriser les environs pendant le revive. Malheureusement, le stuff a été envoyé et il n'aura suffi qu'une munition d'infiltration pour venir à bout de ce Jaeger. C'est un 1 pour 1 dans ce round. 1 minute 12, il faut maintenant procéder à l'insertion. Une fois que les lignes de loin ont été faites. Est-ce que je peux refaire un vote sur qui va win? Je peux vous le refaire de suite. Nouveau sondage. Excusez-moi, là, je vous fais ça à la pause du prochain round. My device is ready, que nous sort Nomad. Et de l'autre côté, prise de position pour Zio Meister. Et attention, parce que là, on a Fage là, qui pourrait se montrer sur cette ligne. Et on sait qu'on a du monde dans Cordée, on sait qu'on a du monde, on essaie de répondre à cette pression. De l'autre côté, on a l'air d'avoir une rotation de fait de la part de Nexend. Et Widow, pistolet, Widow, la bonne escape qui aura troqué quelques HP. Attention, retour! Eh oui, on est obligé d'être au four et au moulin. Et c'est vrai que le C8 est assez long à recharger. C'est le Porto qui en aura justement saisi le timing pour prendre l'élimination sur le bug. C'est un 3 contre 4. Première fois que les Team X ont l'avantage dans ce round, alors que Zio Meister réduit cet écart en ramenant à l'équilibre numérique. C'est un 3v3 du coup. On a Xander qui en a profité pour heal ses camarades. J'ai cru entendre une petite toux. L'insertion de Zio Meister. On a le caillou dans la chaussure. Quelques pré-fire éventuellement pour essayer de connecter sur des têtes qui ne mèneront nulle part. Fetch qui revient au contact. La plante qui a été initiée de la part de Nexend. On va pouvoir le prendre. On a mis quelques balles à son collègue et c'est à 1 point encore une fois. Alors que Xander lui se débarrasse de Volkia. Il ne reste plus que Zio Meister tout seul. 1 contre 2 avec un doc et surtout 2 joueurs full HP. Diffuseur a récupéré 15 secondes restantes. On a un joueur qui est allongé, des Goomines qui continuent à être mis en place. Et là, faut faire les deux kills. Là, faut faire les deux kills et ce sera Team X qui marque avant la mi-temps leur premier round de cette rencontre. Rien n'est encore joué. Team X a encore la possibilité de revenir. Hop, je vous remets le sondage vite fait. LFORG ou Team X. Je vais pas vous mettre. Je vais vous mettre 5 minutes pour le sondage. N'hésitez pas à voter. Ça apparaît sur votre écran. Tout en haut du chat. Alors la Team X sont endormis et c'est peut-être justement le réveil qu'ils avaient besoin. Et ont peut-être mettre un site perfect éventuellement. 50-50. Ah, la dominance pour les LFORG vient d'être prise. 5 votes, 60% LFORG, 5% Team X. Et ça revient, c'est au coude à coude. Ça aussi, ça va être intéressant à caster. Attention, qui va repasser devant? C'est LFORG. LFORG qui repasse devant dans les sondages. Attention, peut-être un nouveau vote. Ok, j'arrête de m'enflammer. Mais en tout cas, on a plus de votes Team X que précédemment, juste au lancement du live. Et première défense, du coup, des LFOR qui vont se jouer au niveau de la chicha. Donc j'espère que vous n'avez pas de perte de FPS de votre côté. Car le retour est assez lagué chez moi. Allez, Nala, peut-être l'agression. On surveille les cams. On a aussi Zio Meister. Ils ont faim. Ils veulent terminer cette rencontre. Widow en embuscade au niveau de ce couloir blanc, de cette top escableu. Enfin, top escavert, pardon. On retrouve Volkia roaming, lui, au niveau de cette master bedroom. Et pour le moment, on attend, on se montre patient. La composition des Team X se trouve au niveau du top, comme on est en train de le voir, avec Nemesis, lui, proximité de la Salida. Maintenant, ça change le sondage.
Et là, l'agression, on a du monde. Attention à cette fenêtre encordée. C'est Volka. Volka, pardon, qui se trouve juste au contact, qui va repartir au niveau du Hall of Fame. Widow qui s'est fait un petit peu oublier. Est-ce que Fage va avoir l'information sur la position? Et ça n'a pas été droné plus que de raison. Attention tout de même à ne pas se faire avoir dessus. Et non, on n'a pas du tout l'info, mais maintenant elle est prise. La pression qui va être prise, les bagues qui passent pas très loin de la tête de ce joueur IQ. On a un drop au niveau de la salle de bain, du Dibieno va être fait. La capture d'Intermite Sauvage. On a le diffuseur au niveau des toilettes et maintenant il va falloir faire attention à la pression au niveau de la trappe. Attention à ce Hall of Fame, on va sortir au pistolet, on sort avec les balls. Widow qui va se faire un double frag sur Nemesis, le triple frag de la part de Widow. Toujours au pistolet sur Fage, de l'autre côté c'est le porto qui va se débarrasser de Nala. Pas de pression au niveau du cinéma, on va pouvoir couvrir ce diffuseur. Et de l'autre côté Xander qui va avoir beaucoup de choses à faire étant donné qu'il met la pression au niveau de ce chicha. On va tirer dans un prisme. Attention à cette sortie tout de même, alors que Uzio Master enfonce le clou et se débarrasse de le porto. Il ne reste plus que Xander. Le clutch éventuellement qui peut être fait 1 contre 4, on l'a vu beaucoup s'exprimer, mais malheureusement les forks sont beaucoup trop bien en place dans cette rencontre. Nexen qui va sécuriser un point supplémentaire qui leur permette d'entrer de suite en balle de match. Balle de match, comme on peut le voir, la défense qui tient bon. Et on va voir du coup qui va s'imposer le réveil. Des Team X, c'est toujours possible, toujours. Alors que je vois 7 votes pour Eleforg, 3 votes pour Team X, vous êtes 22 et seulement 10 votes sur le chat. On voit les viewers investis, des bisous, même à ceux qui sont là en viewer de loin. Attackers need to locate and defuse as many bombs as they can. Ah, deux joueurs FPA, est-ce que tout va bien? Je l'espère en tout cas. Voilà, ok, c'est bon. Widow vient de reprendre, il nous reste Volka du coup. On est parti au niveau de la cuisine. Volka, bouge un peu, demande à ton frère, je sais pas, de bouger la souris ou... Ouais, à ton papa, à ta maman, je sais pas, de toucher clavier, ce serait dommage de te faire kick dessus. Ok, c'est bon, c'est repris. Préparation de la main entrance. Oh là là, ça ne va pas connecter. Ekuma qui a tout de même perdu pas mal de dégâts. Le premier POC a été assez important, plus de 25 HP. La sortie était vraiment osée, mais on a su sécuriser comme il le fallait. Et en parlant de sécurisation, et oui, la Salida est aussi maintenue de la part de Widow. On vient de perdre le joueur IQ. C'est Nemesis qui en aura fait les frais, Nala toujours, avec cette agressivité qui va se débarrasser de Fage. On a deux joueurs en moins côté Team X, on a vraiment cette envie de conclure. Pour les LFORG, on veut remonter et affronter la Team No Name en finale. C'est pas le moment tout de même pour la Team X de FF mental. C'est pas le moment, c'est toujours faisable. Même si la situation est critique, ils ont les moyens de revenir. Ils ne sont pas arrivés au match de la 3ème place pour rien. Ils ont les ressources, ils ont les capacités. Oh, le manque de timing. C'est le porto qui va subir du coup le premier POC. La deuxième sortie en sécurisation. On a une très belle communication côté LFORG. C'est Volka avec son fusil à pompe. Vous en parliez dans le chat, qui va nous le faire voler. Et le double frag sur Xander. Ça se balade côté LFORG. Est-ce qu'on aurait un perfect? Et c'est chose faite. LFORG qui part en finale. D'infliger pour un match retour. Quelle belle vengeance de ces LFORG face au Team X qui malheureusement n'ont pas réussi à trouver les moyens de s'exprimer face à une telle agressivité.
Quelle explosivité de la part des LFORG qui s'impose massivement 7-1. Là, malheureusement, il n'y a rien à dire. Les Team X qui n'ont pas réussi à avoir l'espace et les moyens nécessaires pour pouvoir s'exprimer correctement. Les GG, bien évidemment, dans le chat vocal. Une défaite peut-être amère étant donné que les Team X avaient déjà battu les LFORG. Et c'est le principe du bracket à double élimination. Tout le monde a sa chance. C'est clair que les LFORG là ont décidé de passer la seconde. Ils veulent de suite aller en finale. Hop, je vérifie mes petites infos. Finale, la finale sera en best of 1 que m'annonce Kaizo. Pas le droit à l'erreur, là, les joueurs, en tout cas, et les faux sont ultra chauds. J'espère que pour les no-names, ce sera la même chose. Hop, moi, de mon côté, je vais préparer le petit setup. Enfin, le petit setup. Du coup, nous avons... Mais non. Tu fais ce que je veux, toi, le... Hein. No name, paf. Allez, mon lapin réagit quand je te le demande. Merci encore une fois pour tous vos follow. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ça fait vraiment chaud au cœur de vous voir présent, en tout cas sur cette compétition organisée par Kizu Dual Squad 4ème édition. J'espère que ça vous plaît. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à pas taper point d'exclamation Discord et à nous faire part de tous vos retours. Pour une éventuelle prochaine édition, pour un autre événement que Kaizo avait tenté de nous leak, et qu'il a tout de même réussi à se retenir. No name, du coup. Paf. Et là, c'est... Et merci Ruff pour le host. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes les personnes qui rejoignent. Merci à tous. Hop, je vérifie de mon côté que tout est bon. Pour le prochain match. Je fournis les liens du vote ban à Keizo. Merci beaucoup à tous en tout cas pour votre soutien, merci pour tous les follow. Petite discussion avec le staff qui me demande BO1 ou BO3 pour la finale. Malheureusement, c'est pas à moi qu'il faut demander ça, c'est plus aux joueurs. On aura la réponse dans quelques instants. En tout cas, le match sera prêt d'ici quelques instants. Pour moi, ici au niveau de ma ban, tout est bon. Team No Name. Voilà. Contrer les Forg. Looking for organization. Donc n'hésitez pas, hein. Comme vous avez pu le voir, ça déroule plutôt pas mal. Donc si, je sais pas, t'es une petite structure qui traîne, enfin petite, hein, voilà, tu m'as compris, une gentille structure qui se balade comme ça, genre en train de butiner sur les streams, comme ça, bah apparemment il y a une équipe qui recherche une organisation, donc n'hésite pas à les contacter. Donc ce sera best of 1, donc le vote a été fait par les équipes. Ce sont les équipes apparemment qui ont décidé, hop. Donc du coup pour moi, tout est bon. On donne le map ban aux admins, non c'est no name. Bon, excusez-moi, c'est pas forcément très très, très,
très attractif de me voir mais bosser, du moins préparer le setup. Du coup, hop, on prépare aussi le lobby. En bleu, nous avons du coup No Name. Allez, mon lapin. Oh, le jeu, quand il veut pas, il veut pas. Bougre. No Name contre les Forg. Voilà, donc on va enchaîner. Il me manque juste le nom de la composition et les Forg. Non, pas les Forg, mais plutôt No Name. Et c'est Silo que je vais pouvoir inviter de suite. Hein. Tac, tac. Ok, là je suis bon. Et ça se chauffe en tout cas pour les No Name, ça se chauffe et on va profiter pour voir au niveau du map ban, voir si quelque chose a déjà été commencé. Oui, c'est déjà bien avancé. Team No Name a décidé de ban Coastline et Theme Park. Côté LFOR, nous avons Oregon, Café Dostoyevski. No Name versus LFOR. Oui, excusez-moi, je réfléchis à voix haute, c'est juste que je reprends les notes sur mon cahier. Allez, Coastline qui a été banni pour les No Name. En même temps, on a peut-être dû voir le match. On va peut-être éviter de se faire agresser comme nous l'a montré précédemment les Forg. Et je vais en profiter du coup pour vous faire le sondage. Et c'est à vous de voter. No Name, level diamant champion. Alors qu'on a Thomas qui dit GL aux deux équipes. Mais LFO très solide, en effet. En effet. Et là, je vous le dis, c'est la grande finale. Donc ce sont les meilleurs des meilleurs de cette quatrième édition du Dual Squad qui va s'affronter. Enfin, qui vont s'affronter, pardon. Le chat, Ubi... déconne totalement. Et pendant ce temps-là, le map ban, lui, c'est terminé. Ce sera une clubhouse. Clubhouse avec première attaque Team No Name, pardon. Team No Name pour le premier side d'attaque. Hop. Ici, No Name. Les bleus, c'est bien. Sont en attaque. Il va falloir du coup attendre les joueurs. Et bonsoir à toutes les personnes qui rejoignent ce live. Il s'agit de la finale. La finale No Name contre les Forg. Je vous laisse le vote ban, histoire que vous puissiez bien vous l'imprégner. Il s'agit d'une finale en best of 1. Hop. Yo tout le monde. Et bonsoir. Alors que vous entendez, hein, je n'ai pas coupé le. Je n'ai pas coupé le son du jeu de manière à ce que vous puissiez entendre absolument tout le monde rejoindre le lobby et que vous entendiez les petites conversations en interne, tout ça. Et ce n'est pas Café Dostoyevski, mais il s'agit bien de Clubhouse.
Clubhouse, juste ici. Une map, Clubhouse, une map vraiment très tactique, qui ne pardonne pas du tout, qui ne pardonne vraiment aucune erreur, que ce soit de droning ou tout simplement de mise en place de l'exécution. Map qui demande beaucoup d'exigences, qui demande vraiment un traitement impardonnable en termes d'exécution. En termes de droning, en termes de mise en place de cohésion, généralement, ce qu'on a tendance à voir sur cette clubhouse, c'est première minute 30 assez longue, alors qu'on a le ready dans le chat. C'est parti, on va pouvoir passer à la grande finale. Team No Name contre LFORG. C'est parti sur Clubhouse, grande finale, la der des der en best of 1. Nous sommes toujours en bombe. Place au ban des opérateurs que je vous avais dit précédemment. Un Thatcher, un Maverick, un Echo et un Kaïd. Voilà pour mon pronostic de ban. À défaut de pouvoir en donner un sur le vainqueur. Car je reste absolument impartial. En tout cas, vous avez les miens en termes d'opérateurs. Et ils tombent de suite à l'eau. Génial. Ce sera un racal. Oh, la déception là du. D'un coup. Capitao, allez, ça barre en. Bon, bah voilà, c'est la PLS, hein, c'est tout. Hein. Ouais, cœur. Bah ouais. Oh, bordel, ça tombe complètement à la flotte là. On va éviter ce genre de commentaires. Hein. Je rappelle que nous sommes en stream. Donc voilà. Si la première game, je n'aurais pas eu de crash, on serait sûrement au final que nous dit Bacha. Ouais, malheureusement, ça arrive. Et au final, alors que le vote ban vient d'être terminé, le seul opérateur que j'aurais réussi à deviner, bah, c'est Desion. Bah yes. C'est Echo, pardon. Yes. Je suis tristesse là. Bacha qui nous dit on est très content de notre perf quand même. Vous avez bien raison. Vraiment, félicitations à vous. Honnêtement, les matchs étaient vraiment tous très serrés. Et en parlant de très serrés, on en a peut-être un sous les yeux. Alors qu'on choisit Montagne. Oui, tout n'est pas perdu. Ok, j'ai faux sur le vote ban des opérateurs. Mais en tout cas, on a Gilles Touré, mon rayon de soleil, dans cette composition de la part des No Name. Ah, voilà. Ah, voilà qui me fait plaisir. Voilà qui me redonne l'esprit shonen. Et on est parti pour une première défense au niveau de la CCT. Alors que résultat sur les chats, il vous reste encore du temps pour participer au vote qui apparaît juste au-dessus de votre chat. Vous êtes 30 spectateurs et nous avons seulement 14 votes, 79% votes pour une victoire des No Name, 21% soit 3 votes pour LFORG. Donc n'hésitez pas à nous faire part de votre pronostic. Et Bacha, c'était aussi un vrai plaisir de vous casser. Place au match que nous avons précédemment sous les yeux, Team No Name contre LFORG. Nexen qui est passé sur un castle avec deux parano UTP 1,5 au niveau du même côté. Un pour prévenir le balcon gym et l'entrée au niveau du workshop. De l'autre côté, on a Sassan qui va arriver avec un montagne. On a tout de même un doc en sécurisation, mais là l'opération risque d'être compliquée. Il va falloir jouer en équipe. On indique la progression de Monty, de Gilles Touré. Et de l'autre côté, bah, du coup, on n'a pas de bandit, donc c'est l'ouverture du T1 qui va pouvoir se faire assez rapidement, comme on est en train de le voir, de la part de Pain. Et on continue la progression de la part de Sassam. Et on vient au contact du doc. Mais on reste vigilant tout de même. Attention à Pain, car il est fort intrigué par cette position. On vient de pinguer la position du doc avec un drone.
On a fort à faire, fort à faire. Et on va tomber le bon crossfire avec le montagne handicoy. Un très bon jeu d'équipe mis en place par les no-name pour venir à bout de ce dock en utilisant comme il se doit Gilles Touret. Et de l'autre côté, on va pouvoir prendre le garage. Attention toutefois, car on a tout de même de la présence et c'est Volka. Voilà, c'est chose faite qui va se débarrasser d'Aaron. Un pour un pour le moment dans ces débuts de rencontre alors qu'on investit tranquillement le garage. Mais il faut se montrer safe car on avait Ozomeister au niveau du pit. Cette fausse à huile et on continue de s'insérer pour le montagne. Et la bonne tête de Nexen sur Pain. De l'autre côté, Widow qui va se débarrasser de Sassan. Et il nous reste plus que Jix tout seul. Le round s'est totalement retourné en faveur des LForg. Et ce sera la clôture de ce premier round. LForg qui conforte le map qu'ils ont fait précédemment avec une bonne réponse, avec une très bonne explosivité pour une défense. Montagne OP, tellement OP. Malheureusement, ça n'aura pas servi malgré une bonne première insertion qu'on a pu voir au niveau du garage. Un plan de jeu très très bien mené. C'est comme ça qu'il fallait sortir le dock et c'est surtout de cette manière qu'il fallait utiliser le montagne. Malheureusement, je ne sais pas si c'est Sassan qui s'est montré peut-être un peu trop pressé, qui a push dans cette CCTV. En tout cas, on n'avait pas assez de contrôle, même pour investir le garage. On a deux joueurs qui se sont fait sanctionner car on n'avait pas l'information sur le joueur qui se trouvait dans le lounge. C'était Volka. Et surtout, pas d'infos sur le pit. On pensait totalement free et on a perdu du coup deux joueurs de cette manière. Et il y avait simplement à clôturer ce round de la part des LForg qui ne se sont pas fait avoir malgré la sortie rapide du duck et bien exécutée de la part des no-name. On est parti au niveau du basement. Parti au niveau du basement et de la church. Pour le moment, on va bien évidemment renforcer les murs qui exposent à la bas short. Les trappes vont être faites. On a du coup Nuts Hands qui est sur un caïd étant donné qu'il n'a pas été ban, qui va pouvoir électrifier les trappes. Est-ce qu'on va jouer par en dessous ou alors utiliser un impact trick? Non, pas du tout, parce qu'on n'a pas d'impact. On a 3-4 pardon pour Widow, Uziomeister et Extend. Première trappe qui a été électrifiée, balancée un petit peu à la va-vite, hein. Même si on a silo avec un Thatcher. On aurait pu les cacher mieux que ça. Allez, le drone qui va être envoyé, on va sécuriser le top. Comme vous connaissez, hein, sur cette clubhouse, map qui nécessite un soin particulier à la prise d'information. On n'aura pas de roamer au niveau du top floor. Par contre, non, rien du tout, étant donné que tous les joueurs sont au niveau du bleu, ou alors sur site, on est à quasi full turtle. La progression de Sassan, le drone humain. On va s'assurer que le top soit complètement clair, et comme on a pu le voir, la seule menace directe pour être Ziomeister avec son bandit au niveau du bleu. Comme on est en train de le voir, tous les joueurs, eux, sont au même étage. Donc, on devrait prendre possession de la carte assez rapidement. Attention toutefois, car comme on est en train de le voir, on s'attend à quelques embuscades que je ne vais pas vous afficher. Il faut garder absolument toute la surprise. Jix et Aaron qui s'insèrent, qui se mettent en place, comme on est en train de le voir. Prise de position au niveau de l'escalier main. De l'autre côté, on va attendre le Thatcher pour la trappe. La première est faite et on a l'air de se diriger même vers un speed push comme on est en train de le voir, de plutôt partir sur la church. Widow qui va faire mal avec son C4, c'est ce que j'attendais. Justement, on l'avait préparé, même je m'attendais plus au move effectué de la part de Nexend. De l'autre côté, le montagne qui s'insère, on a drop au niveau du mémorial. Et tout est fermé, il va falloir y aller un petit peu à la mano pour Pain. Et on a du monde. C'est Volka au contact de la sortie mémoriale. De l'autre côté, Peng qui va pouvoir faire l'ouverture sur les bombes sites. Ah, tous les panels ont été renforcés qui exposent à la bas short. Attention tout de même à la défense qui a l'air d'être plutôt bien en position pour justement attendre un panneau UTP1. Et le montagne, on n'a pas l'info sur le montagne. Enfin, sur la position, pardon, de Volka.
le drone qui va enfin être deny. On a un duel, c'est remporté par Widow sur Sasam. De l'autre côté, on a des joueurs qui sont montés en roaming. Widow qui va se débarrasser de Pain Aaron sur Volca. Et Nexend, lui aussi pour faire le revenge kill sur Aaron. On continue de drop. Alors qu'on a un joueur demi en DBNO, le travail sur la verticalité de la part de Silo. On a perdu énormément de temps. Encore un duel au niveau du top. Silo qui va se débarrasser de je suis trop fort. Puis il n'est pas si fort que ça au final sur ce duel. Et il reste 5 secondes. Et c'est remporté par Widow qui nous a fait une très belle couverture du bomb site. C'était bien tenté, en tout cas, de la part des no-names, de tenter une insertion et de profiter des fermetures effectuées par les LFORG. Enfin, de, et oui, effectuées par les LFORG, excusez-moi. On a essayé de s'engouffrer au niveau de la church, au niveau de la bashort. Mais malheureusement, il manquait peut-être un peu de pression. Faire une frontale comme ça, avec peu de moyens, si je puis dire. Car, hormis Thatcher, Termit et Ibana qui sont là vraiment pour faire les hard breach, on n'a pas grand stuff non plus. On a les grenades de Sledge, éventuellement les lifelines par la Zofia. Mais pour tenter une attaque comme ça, il faut vraiment beaucoup plus de moyens. Par exemple, le Capitao qui a été banni aurait été parfait dans cette situation. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Du coup, ce qui a permis aux LFORG de reprendre l'avantage et d'attendre avec le peu d'ouverture effectuée par les no-names. De leur tendre un piège à leur propre jeu. En tout cas, les LFORG qui prennent l'avantage, mais on a quand même une très très grosse réflexion en termes de strat, de proposer par les no-names. Et juste le temps de se chauffer, de se mettre en place comme il le faut, et éventuellement avoir des no-names qui pourraient revenir au score. 5 secondes. Voilà un petit setup que j'apprécie beaucoup. Deux panneaux castle, deux panneaux UTP1, un pour la gym, un autre pour la sortie, pour de manière à protéger le Banditrix, la rotation qui va être faite. Est-ce qu'il nous reste encore des murs renforcés? Il en reste deux pour Volca qui va attendre tout simplement la breach si elle est faite de la part du joueur Termit. Pour le moment, on n'y est pas. On a aussi le Castle qui a encore tous ses panneaux renforcés, qui va justement poser un au niveau du workshop au moment où je le dis pour me faire mentir. Au niveau du setup d'insertion, du setup d'attaque, comme on est en train de le voir, premier panneau UTP1 qui va tomber, les IUM éventuellement, et on va avoir un premier duel de stuff entre Next End, et Pain, alors que je suis trop fort, un petit regain d'animosité étant donné qu'il vient de se débarrasser d'Aaron, le pic agressif dans la CCTV qui sera totalement annihilé. Et on va pouvoir continuer à garder la position étant donné que c'est la Ibana qui vient de tomber, donc il va falloir compter uniquement sur Pain et son Termit. Et on reste très vigilant jusqu'au bout, on attend la grenade IUM. Et on va abandonner. Pas de Banditrix. Est-ce que Volca, lui, va décider de renforcer ses murs? Ça va tomber. Non, on laisse totalement tomber le panel. On va pas prendre de risque. Attention toutefois à l'embuscade. Car on n'a pas renforcé. Oh, on prend quelques dégâts, on prend quelques pocs là pour Pain. 25 HP de perdu là-dessus. On a une autre agression qui vient de l'escalier rouge, de l'escamain. En rappel, tête à l'envers. Oh, la tête qui passe pas. Et oui, on est couvert. On renforce au nez et à la barbe de l'ennemi. Du coup, ça permet de couvrir cette position dans les toilettes. Par contre, on est spoté. Est-ce que l'on n'aurait pas une grenade de Sasam qui pourrait revenir? Il va avoir fort à faire toutefois. Car pour lui, ça veut dire abandonner la prise de l'office. Ce qui n'a pas l'air d'être le plan de jeu. Attention à ce coup de marteau qui permet d'ouvrir un nouvel accès pour l'attaque. Widow qui va jouer par-dessus avec son pulse. On n'a pas du tout l'information, tout de même. On ne se doute pas du tout qu'il y ait un pulse qui pourrait faire énormément de dégâts. Attention, le C4, alors qu'on a un joueur de Miandi, Biano, c'est Jix qui va se débarrasser de Volca. Le C4 qui aura explosé un petit peu dans le vide. Et Nexend sur Pain et Sasan qui vient de tomber face au bal de The Meister. Nexend double frag sur Jix juste avant l'intervention de Silo. Silo qui continue sa progression, qui se retrouve tout seul avant de se faire arrêter par un joueur LFORG. Nexend qui clôture ce round et nouveau round du coup remporté par la défense.
Ah, c'est vraiment une carte pas facile à appréhender, cette clubhouse. Ça demande vraiment une rigueur impériale, car comme on a pu le voir, toutes les erreurs sont sanctionnées. Et honnêtement, pour avoir renforcé, comme l'a fait Widow, il me semble, avec son Jaeger dans la douche, face à une bridge totalement ouverte, faut avoir une sacrée paire de baloches. Je me demande comment il fait pour courir avec ça. Fais les rotas aux pompes. Ah, mauvais chat, je crois. Eh oui, c'est bien ça. Ah, ils sont grave bons, les phobés. Oui, totalement. Totalement. Il y a du niveau dans cette rencontre. Comme on a pu le voir, beaucoup de frags de part et d'autre. Tiens, parlons de frags. Petit point sur le tableau des scores. On a beaucoup d'assistance sur les LFO. De l'autre côté, tout le monde fait son taf, que ce soit côté No Name ou même encore une fois côté LFO. On a 3 frags pour Silo, alors que Payne se gave encore une fois en se débarrassant de Widow. La tentative de sortie qui s'est fait malheureusement sanctionner. Est-ce que c'était au niveau du... Non, pas au niveau du stock. Où était le spawn kill? Ah ouais, il était au niveau du garage. Quel dommage. Quel dommage là-dessus. Au moins, j'ai essayé qu'il nous sorte Widow. Bah oui, bah bien sûr. Mais est-ce que c'est forcément le bon moment? Ok, vous avez 3 rounds de plus que l'équipe d'en face. On perd tout de même un Jaeger, la carabine 416C qui se montre vraiment impitoyable. Et en attendant, bah, Sassan, lui aussi profite pour éliminer Castle. Et on a encore du monde. On a encore du monde, c'est The Master. Avec justement son Mozy. Ou le C4 ne fera pas grand chose, juste perdre quelques HP sur cette tentative de sortie. On a craqué du stuff, on se croyait un petit peu pousser des ailes avec cette tentative d'agression. Du coup, on s'est replié en bas de l'escalier. On n'a pas l'information pour Payne. Payne qui n'a pas l'info, qui va se mettre au niveau de l'ex-Victory. Pour le moment, on tient le bar pour Jinx. Et la défense, elle qui se met en position. On a toujours Uzio Meister là à l'agression au niveau de ce top bleu. Volka, attention peut-être. Volka qui ne s'est pas fait avoir. Jinx qui passe devant. On pourrait se saisir d'un bon timing et éliminer cette hache peut-être, alors que la pression elle se précise au niveau du bomb site. Nexen, petit one tap sur sa Sam. Et le bon retour au niveau du lounge. Attention, peut-être le double frag. On n'a pas réussi à aligner correctement. On va mettre le joueur en DBNO. Il sera fait. Jinx qui réconforte un petit peu son équipe alors que la plante va être faite. Silo se débarrasse de Volka. No Name qui marque enfin leur premier round avant le changement de side. Il leur reste encore un round à mettre en attaque, pardon. Pour éventuellement partir sur de bases un peu plus solides et partir en défense. Après, en tout cas, c'était rondement mené pour cette attaque. On a vu peut-être un peu plus de coordination de la part des no-names, ou du moins une insertion un peu plus appliquée, même s'il manquait de la prise d'info avec les drones. On a pu voir qu'ils ont corrigé certaines erreurs et ça en profite, d'autant plus que le spawn kill raté de la part de Widow a permis d'arranger fortement les affaires de cette équipe en attaque. Attackers need to locate and defuse as many bombs as they can. Allez, on est reparti pour la petite vie d'un drone. On va prendre le drone de Aaron, on va essayer de le suivre. Il s'arrête au moment où je le dis. Génial, merci. En attendant, je continue de prendre mes notes. Voilà, on se balade tranquillou. Au niveau du
au niveau de la carte pour vraiment s'assurer qu'il n'y ait personne. Pour le moment, la prise d'information se joue au niveau du top. On a un drone au niveau de cette kitchen, une autre pour sécuriser éventuellement le strip. Du moins, le drone est préparé pour la prise d'information au niveau du bar. Et on a Payne sur le Maverick. On est intrigué en tout cas pour l'ouverture du tunnel. Ça pourrait être une bonne solution. Profiter éventuellement du suri pour faire une insertion assez rapide. De l'autre côté, on a laissé tomber le thermite. On a basculé sur le duo Ibana et Maverick, comme on peut le voir. Silo toujours sur son Thatcher. Et pour le moment, c'est la prise d'information, hein, comme je vous en parlais sur cette clubhouse. Au niveau des calls, c'est la première fois que je l'entends en anglais. Le Maverick est plutôt bien énervé. Et en parlant d'énervement, Uzio Meister, double élimination au C4. Deux joueurs no name qui se sont empalés sur cette prise de position. Dommage que l'on n'ait pas vu parce que je pense que là, sa POV va terminer dans un clip. On a fait tomber le Sledge et la Ibana. Ça, c'est un gros coup dur pour les teams no name qui n'ont plus de Hard Breacher hormis Pain. Et on peut pas travailler le plancher avec Sasan qui s'est fait lui aussi éliminer. Donc il va vraiment falloir y aller à la force des bras. Et en parlant de force des bras, Silo qui va drop au niveau du pit. On a déjà un joueur au niveau du bleu, c'est Pain. Premier bouclier Volcan qui va détonner pour ralentir la progression des no name. Et on est à la prise d'info pour Jix. L'opener Pain qui va se débarrasser de Widow après ce petit, on va dire, punch hall. Même s'il est fait au suri. Et on est très vivace. Je sais pas comment il fait. Moi, Midoro, on aurait déjà fondu à cette vitesse. De l'autre côté, on s'est inséré Sneak Beaky Like pour Jix. Alors que la diversion est en train de se faire. Pain qui va tomber sous les balles de Next End, pris à deux par Je suis trop fort. Jix qui va justement faire tomber Je suis trop fort. On était passé vigilant. La réponse, le jeu à deux, cette fois-ci effectué par l'attaque. C'est Silo qui va prendre l'avantage. Il nous reste Silo et Jix face à Volca et aux Meister. On a un joueur de spoté au niveau de ce fond. Et non, on va pas tomber. La vecteur qui sera plus puissante à cette distance. Silo qui va justement s'incliner sur ce duel. Et cette fois-ci, il nous reste plus que Pain. Pain tout seul, on a repéré le Goyo, on n'arrive pas à passer dans la rota, mais qu'est-ce qui se passe? En tout cas, le frag va quand même être pris de la part de Jix. C'est à 1 contre 1, il reste 20 secondes, le diffuseur est en poche, on va pouvoir procéder à la diffuse. Volca qui est fort intrigué par ce son de diffuse, on n'a pas du tout l'information. Le duel qui va pouvoir se jouer, situation de retake pour le dog. Volca qui est très low HP, qui va mettre en GBNO et qui va sécuriser ce round. 2 à 3, rien n'est joué encore. Les teams no name qui se ressaisissent au meilleur des instants. Quel revirement de situation alors que les no name étaient bien partis malgré ce moins 2 infligé au C4, enfin subi au C4. On a subi de lourdes pertes dès le début, mais de l'autre côté, pour le push de l'attaque, elle s'est faite correctement avec de bonnes prises de duel. Et comme je viens de le dire, ça s'est joué sur des duels, très clairement. Le suspense était vraiment à son comble là, sur ce round. Impossible de dire qui allait remporter. En tout cas, on a eu une très très belle tentative de remonter, et même... une très belle tentative de la part des no name. Ouais, tu t'es trompé là, ouais, totalement Bacha. Je me suis complètement trompé, ce sont les LFO qui n'ont pas réussi à remporter le round. Et moi, pourtant, je le voyais complètement dedans. Et je pense que c'est dû au fait, je pourrais peut-être me redire dans les clips, mais je ne sais pas si la diffuse a été faite. Non, je me suis complètement planté. Voilà, tout simplement, je me suis totalement planté. Ce sont les LFO qui ont bien l'avantage, 4 à 1. Et oui, c'est le Doc qui prend l'élimination sur la hache et qui procède à la diffuse. Mais c'est ça, c'est duels comme ça qui ont été pris à deux. C'est ces Gunfang qui m'ont complètement retourné le cerveau.
Bah en tout cas, ça n'empêche pas que cette fin de round était vraiment très serrée. Même si je me suis trompé sur l'équipe. En tout cas, les LFORG ont l'avantage dans cette rencontre. En tout cas, c'est bien, c'est bien. Il y a des gens qui suivent. Ah, il manque quelques centimètres là pour... Voilà. Généralement, faut, pour avoir la prise facile, vous faites la rota à la fin du plâtre, comme on peut le voir. De l'autre côté, c'est beaucoup plus simple. Vous êtes sûr de pouvoir choper la ligne tranquillement. En parlant de ligne, il y en a une qui est en train d'être créée. C'est Payne avec son Maverick. Donc pas de banditrix pour Nexend. On entend quelques opérateurs queener, mais pas de dégâts de perdu si ce n'est Payne avec les batteries. Ah, j'avais dit vraiment juste à la fin du placo, et là on est bien. Regardez, le placo, voilà, vous l'entamez, on est bon. En parlant d'entamer, c'est Jix qui va se faire un double frag sur Volcar et Widow. On entre comme papa dans maman et on se pose même des questions. Il nous reste encore un joueur au niveau de cet escalier cache pour tenir la ligne bloquée, l'insertion au niveau du workshop. On envoie les X-Kairos. Et attention tout de même, parce qu'on a aux yeux master. Et on va même sécuriser le bac, on s'est dit, oula, on s'insère un peu trop fort. Ça craint du boudin par l'arrière, juste trop fort. Lui qui va se débarrasser de Pain. 4v3. En tout cas, on a toutes les informations. Est-ce que c'était un info drone pris par Aaron? En tout cas, on reste lucide sur sa prise de position. Les derniers drones qui vont être éliminés, c'est un 4 contre 3. Il reste 1 minute sur le timer. On envoie les lifelines. Nexen qui va se débarrasser de Silo, c'est plus qu'un 3 contre 3. Alors que Nexen fait un double frag. Et peut-être même un triple. Et juste trop fort pour conclure. Elle est Forg, décidément, beaucoup trop chaud. Qui retourne encore une fois la situation comme on vient de le voir. Encore un round remporté par les LFORG. Alors qu'on voyait vraiment une très très grosse insertion massive et surtout avec énormément de vélocité de la part de la hache. C'était Jix qui a réussi à prendre deux éliminations d'un coup d'un seul. Ensuite, on a eu le coup de freeze avec le bon roaming qui a permis de mettre un doute à cette insertion beaucoup trop agressive. Et de l'autre côté, quand on a voulu reprendre l'exécution, on est tout simplement tombé sur un mur de défense avec ce bandit, la bonne couverture du terrain. On a réussi à jouer sur les timings pour faire douter cette tentative d'insertion qui était vraiment spectaculaire. Repulsing Wall que nous sort Sassam avec son Kaïd. On s'occupe de renforcer les trappes. Oh ce bon petit mute là, faut juste choper le petit coin. Alors je vous le dis de suite, c'est possible de le mettre sur l'étagère, mais honnêtement, sélectionner, enfin avoir l'endroit pour Volt pipe à cet endroit là et surtout rester sur la petite étagère B, c'est vraiment très difficile pour ne pas dire autre chose. Mais c'est faisable, ça demande beaucoup de temps. Ah c'est ça Kaizo, No Name commence bien puis LFORG arrive quand même à les stopper. C'est exactement comme ça qu'on pourrait conclure le round précédent. En espérant que No Name arrive à mettre un round, car après on vient de passer la mi-temps. Donc normalement, voilà, Clubhouse, si t'es pas d'équerre sur ton setup d'attaque, c'est une map qui favorise grandement la défense. La petite voix de Ibana qui troll un petit peu le thermique qui n'est pas présent. Comme dirait un ami, ça va faire un putain de gros trou. Petit cut des opérateurs alors qu'on a un impact trix, donc on vient de perdre une salle Vixkero, c'est la dernière du coup. Est-ce qu'on a ouvert celle au niveau du bar? Non, pas du tout.
on a perdu vraiment des salves. Des salves méchamment. C4 qui sera envoyé un petit peu dans le vide alors que Jix lui a subi plus qu'un gros poc. Il va marcher maintenant plus que sur un orteil étant donné qu'il lui reste un HP maximum. Là juste à envoyer une impact et c'est terminé. Et le bon crossfire, on a call. La décale, ça va être récupéré par Oziomeister. Et on met énormément de pression là pour cette attaque. On a perdu un joueur, c'est un 4 contre 5, 26. Toutes les trappes ne sont pas ouvertes et on va y aller un petit peu à la force des bras tout de même. Alors que Payne lui indique lui aussi sa présence en se débarrassant de Widow. 4 contre 4. Première candela d'envoyer qui vont totalement aveugler la défense comme on a pu le voir de la part de Sassan et Daron. Silo lui pour la couverture, ça décale au niveau du bleu mais simplement un échange de peinture alors que ça lui va bien récupérer la tentative d'insertion de Nexen. On a encore un joueur au niveau de cette chaufferie, c'est Aaron qui va avoir fort à faire étant donné qu'on vient de push par derrière. Payne lui sur Oziomeister, Sassam le double frag sur Volka, la défense qui tient le choc, il nous reste plus qu'un seul joueur, c'est je suis trop fort, la Zofia qui va devoir montrer sa force justement et éliminer 4 joueurs. On vient au contact avec le shotgun. Simplement un POC de subi, pas d'élimination et on tient la ligne de très très loin avec le TCSG12 de la part de Sassan. Peut-être le triple frag, on est joué à l'holographique. Aaron en soutien qui indique de reculer. On est deux à couvrir ce diffuseur, on n'a plus qu'à envoyer le stuff pour la Zofia et les lignes sont prises de part et d'autre. Payne qui va tomber justement sur le courroux de la Zofia, la déclenche qui va pouvoir être faite mais malheureusement on est trop en position dans ce mémorial. No Name qui prouve qu'ils sont encore là en remportant leur première défense. Deux à 5, ce n'est pas terminé tant que tous les rounds ne sont pas disputés. La remontada des no-names qui est possible. En tout cas, ça pourrait leur faire du bien d'avoir marqué une attaque. Ils ne partent pas le pied au mur, tout simplement. Et on a sorti le montagne pour Volka. CCTV et Cash Room, comme vous pouvez le voir au niveau de cet écran. Et pour tenter de défendre, on va faire appel à Moses, Smoke, Jaeger, Bandit et Doc. Pas de six pick, la composition restera telle quelle, si ce n'est Payne qui voilà a décidé de me troller au dernier moment de prendre un smoke pour un smoke. Attackers need to locate and defuse as many bombs as they can. Allez, phase de préparation, on prépare les setups au niveau de sa CCTV, surtout au niveau de ce garage. On renforce les murs, j'allais dire en synchronisation, mais non, au final, pas du tout. En tout cas, on s'active à la tâche, comme on est en train de le voir. Donc le garage a été renforcé, on a renforcé un panel sur deux au niveau du catwalk et on a surtout décidé de faire la rotation. On prépare quelques trous pour bosser sur la verticalité, ça c'est par contre intéressant. Est-ce qu'on va décider d'ouvrir directement jusque derrière le B? Ça pourrait être vraiment malin si on décide de jouer par en dessous, si le diffuseur est planté, car c'est un petit peu la plante défaut sur ce serveur. À voir comment ça va être joué. Comme on peut le voir, on a un joueur au niveau du lounge. On a les 4 autres joueurs vraiment sur le BP. Jix pour tenir ce catwalk. Sassan qui va avoir la lourde tâche de Banditrix. Et le premier duel ne sera pas à l'arme. Mais comme j'aime à le dire, ce sera un duel de stuff. Lights out. On a réussi à récupérer la batterie. Ça, c'est un bon signe pour le Banditrix. On attend une dernière UM, Volka avec son montagne qui va venir donner un coup de main éventuellement au niveau de cette ex-victory. Et on attend, est-ce qu'on a un jeu sur la verticalité qui est lancé en attendant Silo qui va revenir depuis le pit. Je suis trop fort, par le dessous. UM, une batterie de récupérer, ok on est bon. La première charge qui va être lootée, c'est chose faite. On n'a plus d'IEM, on va pouvoir protéger cette ex-victory. Là, va falloir trouver une autre solution, étant donné qu'on n'a ni de Bavrik, ni de Ibana. Et on joue par le dessous, c'est pas trop tôt. Je suis trop fort, qui va utiliser ses concussions.
et ses explosifs pour venir aider ce Banditrix. Est-ce qu'il nous reste une exothermique? Oui, absolument, pour Nexen. Ce n'est pas terminé, cette prise de position de l'ex-Victory. Et on demande, on sécurise derrière tout de même. Les informations, les cams qui vont absolument rien donner. On va se faire avoir peut-être sur cette verticalité. Car il y a du monde qui surveille. Et voilà pourquoi on avait préparé le launch. C'est Jinx depuis le dessus. Le catwalk qui va prendre l'élimination sur Widow. Aaron sur Uzomaster. On a le montagne qui vient toquer au niveau de cette fenêtre serveur. Et c'est un 3 contre 5. Les no-name qui montrent qu'ils sont nettement plus à l'aise pour l'instant sur leur défense. À voir comment ça va se terminer. Car on a une rotation de fait par les Forg. Et ça pourrait passer par ce workshop. Attention toutefois, on a du monde qui revient. Notamment Payne et ses composés Z8. Qui pourraient faire énormément de dégâts sur des joueurs qui pourraient être un petit peu trop étriqués. Et on attend ce montant, on attend le premier frag qui ne passera pas. Je suis trop fort, et Volka sur Payne et Aaron, retournement de situation peut-être encore une fois, 3 contre 3. Rien n'est joué pour le moment alors que ça partait si bien pour cette défense. La plante qui va se faire, la plante, on n'a pas vu, on met seulement un POC. On plante au dé à la barbe, diffuseur de planté, situation totalement retournée, situation de retake pour Sassan et pour Silo qui aura fort à faire. Sassan au niveau de cet escalier cache. Silo par contre en embuscade sur le catwalk, on n'est pas du tout inquiété, mais par contre on a une surveillance et voilà, le frag va être pris. Il ne reste plus que Sassan tout seul qui va tomber sous les balles de Nexen. Les LFOR qui retournent la situation pour une défense qui avait tellement l'avantage sur ce round. Encore une fois, le montagne qui a été très très bien utilisé. Et on est au bord de cette compétition. Comme on est en train de le voir, 6 à 2 balles de match pour les LFORG qui sont à un doigt de s'imposer face au No Name. On est aux portes d'avoir notre vainqueur de la 4e édition de ce Dual Squad. À moins que les No Name aient un regain de vigueur et nous remonte tout ça. 6 à 2, le match n'est pas encore terminé, mais est en voie d'arriver aux mains des LFORG. Alors que je me plante complètement dans mes touches, on est retourné au niveau de cette city. On va avoir des choses à corriger pour les no-names. Et on repart sur le même setup de défense. Avec cette fois-ci des EDS demi au niveau de l'Escar CCTV. Je ne sais pas si ça avait été fait précédemment. Je ne vais pas me prononcer. On n'a pas encore le même travail au niveau du lounge. La rotation n'a pas été faite entre l'Escar Cash et le A. On va garder ça pour plus tard. Garder au plus possible les covers et on refait le même travail sur le mur du lounge. Est-ce que nous aurons un round symétrique ou alors est-ce que les no-names vont réparer les erreurs qu'ils ont commis? En tout cas, on part sur la même composition et plus ou moins le même plan de jeu côté LFORG. Prise d'information au niveau du lounge, on a repéré cette Valkyrie. Et c'est l'information pour Uzomaster. Le duel entre Valkyrie et Buck, on est assisté par le dessus mais on va mettre énormément de dégâts sur Payne. Le C4 qui va partir, qui explosera un petit peu nulle part. Toujours prise d'information, on va se repositionner pour Payne. L'arrivée du montagne pour soulager le Buck. Et on est focus sur Monty, on est focus, Monty qui aura subi quelques dégâts. On répond à la pression par la pression hein, pour le moment, mais ce n'est pas suffisant pour se débarrasser de ces joueurs et les Forg. Et c'est un gros combat au niveau du catwalk et les joueurs no name sont déjà très très low HP. C4 d'envoyer encore une fois qui ne mènera nulle part. On est en train de s'insérer massivement pour Volka avec son Monty. Je suis trop fort, lui encore des
au niveau de l'ex Victory, Uzumaester qui va se débarrasser enfin de Pain, qui avait perdu énormément de dégâts, le travail sur la verticalité qui est toujours présent. Attention à ce replacement, on louche un petit peu pour Uzumaester. On a énormément de pression et la pression va venir depuis le garage de la part d'Aaron. Silo qui retourne lui aussi la physionomie du match en se débarrassant de Nexend. C'est un 3v4, 1 minute 10 sur le timer. Le pre-fire qui ne va pas passer. On a le montagne qui a été mis en DBNO avec une très bonne couverture de la part de Je suis trop fort. Attention à l'arrivée du Jaeger qui va totalement se faire nider. Je suis trop fort et Audiomaster sur Aaron et sur Jinx. Il ne reste plus que Sassan pour la dernière défense potentielle. 1v3. 50 secondes restantes et c'est terminé. Les LFO qui remportent cette compétition avec le score de 7-2. Dans cette rencontre, comme on peut le voir, victoire et MVP Nexend. Petit point sur les scores qu'on n'a pas eu le temps de voir. 12 frags pour Nexend, 7-9-5-5 pour le reste de son équipe, 8-5-6-4-3 et beaucoup d'assistance d'effectuer chez LFO. Ça, c'est assez impressionnant et on ne le souligne pas assez. Victoire, excusez-moi, des LFO, comme vous avez pu le voir, avec une très très belle remontée du loser merci bracket. Pour le cast, Iki. C'était sympa. Au plaisir. Félicitations à vous tous. Une très très belle compétition. On doit peut-être être un petit peu plus amer côté No Name qui n'avait absolument rien perdu. C'était vraiment la remontée shonen des LFORG. Les LFORG qui se sont fait éliminer du winner bracket par les TMX, qui après ont réussi justement à remonter absolument tout et remporter cette quatrième édition de la Dual Squad. Donc félicitations à eux, félicitations tout de même au No Name, car on a eu du très beau jeu. Je sais que ça peut paraître un petit peu dans le vent, car je dis ça à chaque fois, mais non, c'est vraiment mérité. On a certes les LFORG qui ont montré une imposante carte qui était Clubhouse, mais de l'autre côté, No Name ont proposé vraiment un jeu vraiment très joli, très organisé. Il manquait peut-être un petit peu les finitions sur les attaques qui leur ont peut-être permis de reprendre l'avantage ou du moins tenter de revenir au score. Mais en attendant, ce sont les LFO qui s'imposent. Encore une fois, 7-2. Donc félicitations à toutes les équipes qui ont participé à ce tournoi. Et du coup, voilà, qui clôture un petit peu tout cela. Du coup, je vais peut-être inviter Keizo. Quelquefois, il aurait un petit mot de la fin. Hop. Voilà, on va pas partir quand même comme un voleur. En tout cas, j'espère que ce cast vous aura plu. C'était un plaisir de caster pour vous. Je vais attendre la réponse de Keizo. Encore une fois, je vous rappelle les commandes, point d'exclamation Discord, pour justement vous tenir informé des Dual Squad à venir et d'autres projets de Keizo. Pour le moment, je n'ai pas de réponse de sa part. Est-ce qu'il est occupé à faire autre chose? Je ne sais pas. Merci à vous, en tout cas. Là, je vois que vous êtes 26 sur le flux. On a fait une pointe à 45. Donc, un gros merci à vous pour votre soutien. Merci à tous pour tous vos follow. Keizo, est-ce que tu veux venir dire un mot de la fin? Peut-être. Moi, je suis en train de dire merci, tout ça. Donc, merci en tout cas à tous, encore une fois. Vraiment, vraiment. Vraiment, ça fait plaisir. Grâce à vous, on a pu dépasser les 1000 follows sur cette chaîne. Ça fait vraiment plaisir. Hop. Il est en train de répondre. Il est en train de répondre, Keizo. J'arrive. Ok, ça roule. On va laisser tout de même le patron de cette Dual Squad, terminer ce live. Donc, restez. Voilà. Bah, j'ai le seum pour mon équipe que nous dit NCCG. Bah, bien sûr, c'est la dure loi de Rainbow Six. Hein. C'est comme ça, c'est impitoyable. Il faut un victoire, il faut un perdant systématiquement. Mais en attendant, voilà, on a eu de très très belles perfs, même si les scores n'ont peut-être pas forcément été révélateurs de ce que nous avions.
Donc voilà, en tout cas, GG à toutes les équipes. Et vous êtes beaux, quoi, putain. Eh bien, le bonjour, Xildan. T'arrives à la fin, mon poteau. Ils sont vraiment beaux, c'est vrai. Ah, tout à fait, tout à fait. Comment vas-tu, mon cher Kaizo? Ah, bah, moi, toujours aussi bien. Les équipes, ils sont assez strong. J'ai bien aimé, en tout cas. J'espère que toi aussi, t'as bien cassé. Absolument, absolument. Je te remercie pour le temps que tu as apporté. Bah, c'est un plaisir, c'est un plaisir. Et merci aux équipes qui se sont inscrites. Et j'espère vous revoir parce que. Il y aura du très très lourd pour l'avenir. Très lourd, voilà. Pour l'avenir. Donc se tenir informé, où ça? Discord, bien évidemment. Discord. Ouais, Discord du coup. Est-ce qu'il y aura éventuellement des annonces sur le cher réseau social Twitter? Bien sûr, aussi, également. Donc n'hésitez pas en tout cas à follow, à venir faire un tour sur le Discord. En tout cas, c'est un vrai plaisir, Kaizo, de casser la compétition. J'espère que toi aussi, tu auras pris du plaisir. Ah, bah, et je te laisse le mot de la fin. En tout cas, merci Ki, je te le redis parce que sincèrement c'était un bon cast et ce que je recherchais pour mes effectifs, pour mes éditions. Donc en tout cas, merci à toi, aussi merci aux équipes et aussi félicitations à la LFO du coup qui ont gagné cette 4ème édition. J'espère vous revoir, revoir toutes les équipes et voilà, tout simplement félicitations. Eh ben très bien, sur ce on vous fait des bisous à vous le chat, vous avez été encore très nombreux, on vous embrasse très fort et on se dit à bientôt, allez, ciao bye les gens.